En ce moment, évidemment, euh, il y a cette pandémie. Hein. Plusieurs pays africains font face à une nouvelle vague de Covid. Est-ce que la pandémie a freiné euh, l'appétit des investisseurs pour euh, les pays africains Vous-même, est-ce que cette pandémie a modifié vos plans Comment pas du tout, plutôt accéléré, puisque la, la pandémie a appelé euh, des plans de relance, euh, finalement. Et même si euh, les Africains n'ont pas eu tous accès à des, des plans de relance, ils ont besoin d'accélération de l'investissement. Donc euh, finalement, pendant la, déjà la, le premier euh, confinement, on a plutôt observé une accélération euh, euh, du besoin d'investissement, une accélération des projets euh, auprès des autorités euh, de plusieurs pays africains, euh, du fait de de leur envie d'avoir de l'investissement pour les aider à rebondir économiquement. Que, quel type de projet, par exemple, on a accéléré Est-ce que vous en avez en tête bon, Tous. Euh, je prendrais le, le, le projet, par exemple, de Nairobi Nakuru au Kenya. On a fait de, une, une grande avancée en matière euh, de, des discussions et des études qui étaient en cours. Euh, C'est quoi Ce sont des routes. Euh, C'est quoi Alors, c'était un projet routier, euh, Nairobi Nakuru au Kenya. Mais tous les autres projets, le, le projet euh, de Biova en Côte d'Ivoire de biomasse euh, a aussi eu son accélération. La génération électrique. Voilà. Avec EDF. Et avec et un EDF partenaire et, ivoirien Sivka, c'est ça Tout à fait. Donc tous ces projets se, se sont accélérés parce que les États se sont dit il faut qu'on se mobilise pour les autorisations, pour, pour permettre à ces investissements de se réaliser et finalement de créer la valeur économique qu'ils sont censés créer.